Coucou tout le monde, ça fait un temps que j'ai pas vlogué et honnêtement ça commençait à me manquer, donc je me suis dit allez on reprend les vlogs et justement j'en profite aujourd'hui pour revloguer parce qu'on a une grosse journée où on va faire du shopping, notamment là on va en Allemagne à Kiel pour faire quelques achats. Et donc on a des achats à faire, surtout pour notre nouvel appartement qu'on a acheté. Donc il faut qu'on trouve tout ce qui est parquet, sol, cuisine, voilà. Donc c'est toute une mission. On va regarder en Allemagne parce que les prix sont souvent moins chers aussi. Et voilà, c'est parti, on vous emmène avec nous. Ils ont la pub pour Europa Park là-bas. Va falloir qu'on y aille, comme chaque année. En plus, on n'a pas encore fait la nouvelle attraction. Comment elle s'appelle? Le Volotea? Non. Ah, Volotea. Ça, c'est la chaîne Volotea, d'avion. Ouais. Voletarium. Ah, voilà. Donc là, on est bien arrivé à Kiel. Donc en fait, Kiel, je vous disais, c'est en Allemagne et c'est à la frontière de Strasbourg. Donc c'est vraiment pas loin, c'est à côté. Et c'est vrai que la plupart des choses sont moins chères ici. Donc surtout tout ce qui est cosmétique, même pour le produit ménager, tout ce qui va être alcool, même l'essence les maintenant. Courses en général, hein. Les courses en général, voilà. Chaque fois que je viens ici, ça donne envie de boire. Il y a aussi tout un rayon Catrice en fait. Pour parler un peu du principe du DM, c'est comme le super drug à Londres. Et le rayon que j'adore, Essence, il est trop beau et c'est vraiment d'un bon rapport qualité-prix. Ils ont même ici la palette de Carly Bibel, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une youtubeuse américaine. Hop. Elle est super belle, elle est trop jolie. Il y a des tatouages, c'est vraiment sympa. Je vous montre la palette de plus près, elle est jolie. Il y a vraiment de tout, elle est sympa. Du coup, je vais aussi me prendre ça pour cet été, si on peut bronzer, si on part en vacances ou quoi. Ah, trop bien les petits Marseillais, ouais. Il y a des senteurs là que je connais pas. On a aussi tout ce qui est Dove, Nivea. C'est vraiment le paradis des soins ici. Il sent bon celui-là, c'est quoi? Crème de douche. Ça c'est, je préfère ça pour l'hiver. Et si vous voulez partir en vacances, il y a tout un rayon de miniatures. Il y a vraiment tout un rayon de miniatures quoi. Miniatures solaires. Ouais. C'est vraiment oh trop chou. Super. À savoir que quand vous venez faire du shopping ici, vous repartez blindé de choses. Regardez ce que je viens de trouver, des dupes de Beauty Blender. Prendre des cotons démaquillants aussi. Là, on est à Mr. Lady. C'est un magasin de fringues en Allemagne que j'aime beaucoup. Ils ont beaucoup de vêtements un peu style pour les festivals ou quoi. Et pour l'été, c'est super sympa. Et ils ont même un côté... mon chéri, il est allé voir ce qu'ils ont. Ils ont aussi des trucs sympas pour les hommes. On aime bien ce magasin en général.
Allô. Ça, c'est ma partie préférée. Que des robes et des tops fleuris. Trop chou. Bon, on a trouvé quelques trucs sympas chez Mr. Lady, du coup. Et je voulais aussi vous montrer la paire de chaussures que je viens de trouver. Elle est trop jolie, des sandales rose gold, comme ça, vraiment passe-partout. Et là, on est chez Shoes For You, et c'est vraiment un magasin sympa. Si vous êtes dans le coin, je vous recommande vraiment de venir ici, il y a des petites pépites. Elles sont énormes, les bretzels ici, et trop trop bonnes. Alors, on était chez Zoo & Co, et on a trouvé des petits trucs pour Choupi. Donc on a pris des Nantastix, des friandises et encore des friandises, elle va adorer. Et là on a fait un tour chez Passion Cuisine pour un peu regarder tout ce qui est cuisine. On a aussi regardé tout ce qui va être déco. Il faut également qu'on regarde tout ce qui est carrelage, parquet, peinture dans la zone là. Donc on n'en a pas fini, on va vraiment passer l'après-midi ici. J'aurai pas le temps de voir ça. Mais si, c'est obligé. Non. Et ce soir, on doit être à Strasbourg parce qu'on va au restaurant avec des amis. Et ensuite, on va faire un escape game. Ouais, j'aime trop ça, les escape games. C'est vraiment sympa, on en a déjà fait deux, hein, des escape games. C'est ça. Donc là, ça va être notre troisième. Hello. Bon, je vous reprends beaucoup plus tard et dans la voiture à nouveau. Parce qu'en fait là on vient de sortir, donc ça y est, on a acheté notre nouvelle cuisine et il est 18h. Donc voilà, c'est tout un projet qui se concrétise, on est vraiment heureux, on est content du résultat, de ce que ça va donner et on a vraiment hâte. Maintenant on va encore faire un tour chez But, juste un peu pour regarder, pour faire passer le temps, parce qu'à 19h on va aller à Strasbourg, on va manger où? Au Vapiano. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc voilà. T'es content, chérie? Ouais, ouais, je suis content. Donc là, on est chez But et on cherche un canapé en cuir sympa. Et moi, je craque pour les coussins. Est-ce que c'est normal de ne pas craquer sur les canapés, mais sur les coussins? Alors, ce qu'on cherche, c'est pas un canapé en vrai cuir, hein, mais effet cuir. Celui-là, il est trop beau, j'aime trop, mais il va être trop grand. Ah ouais, en plus il est blanc et gris, justement les deux couleurs que j'hésitais, et il y a le coussin qui va trop bien dessus. Bon là on est en terrasse tranquille, on attend les amis et on est vraiment bien posé là. Coucou tout le monde, alors là on est le lendemain, parce que j'ai pas continué à vlogger en fait pour la soirée, on était au restaurant et ensuite on a fait un escape game entre amis, et de toute façon on pouvait pas avoir le téléphone sur nous. Donc je voulais savoir si ça vous intéressait que je vous fasse un haul sur ce que j'ai acheté au DM en Allemagne, ainsi que Mr. Lady. Et puis j'ai aussi reçu ma commande Morgane. Et j'ai aussi encore tout ça à vous montrer avec le jouet du chien. Et voilà, dites-moi si ça vous intéresse, un petit haul de mes achats. Et voilà. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais de gros bisous et à bientôt dans un prochain vlog. Bisous!